toujours sur René Vivien Radio, la sixième partie, enfin sixième partie version YouTube, ici, donc l'être double. René est un être double, son âme est avide d'infini, mais elle a des coins de candeur enfantine. Le grand sens aristocratique qu'elle possède est sans profondeur. Si René Vivien aime les reines, c'est parce qu'elles ont plus d'allure que les autres femmes. Elle adore les voyages et elle tient à ses meubles et à ses collections. Elle souffre d'un perpétuel duel en elle-même. J'aime mes livres, mes tableaux, dit-elle, mais ça me fait des pieds de plomb. Je ne suis plus la vagabonde. Pourtant, elle fut une grande voyageuse. Elle voulait toujours voir du nouveau pour, variant ses visions, varier ses sentiments. Mais partout, elle se retrouvait, attirée par les mystères orientaux. Elle eut le désir de s'y recueillir. Puis les brumes du nord la charmèrent. Elle aima Venise et lui trouva toujours un goût de mort. Elle parcourut le monde, alla deux ou trois fois en Amérique, en Espagne, visita la Grèce, la Turquie et fut hantée par le Japon. La voici à Florence, à Naples, à Athènes. Elle voit la Palestine qui la séduit et traverse l'Égypte jusqu'au désert. Et partout, elle saura découvrir la beauté. Car l'âme de René Vivien est profondément artiste. Pour elle, l'art est une religion, et l'harmonie d'un geste la séduit autant qu'un chef-d'œuvre réalisé. Les formes, les couleurs, la musique l'enchantèrent. Mais la musique qu'elle aimait n'était pas la nôtre, celle que nous lisons sur des lignes, celle qu'on exécute sur des instruments. La musique qui la faisait vibrer, c'était celle du vent dans les arbres, celle de la mer, ou le chant d'un oiseau. Toutes les voix simples et étranges l'enivraient, et elle s'extasiait devant les grandes harmonies de la nature. Le grand concert du monde la faisait frissonner, car il lui semblait venir de l'infini. Les sons évoquaient chez elle mille impressions, mille images. Elle les parait de couleurs, et c'est pourquoi elle évoque si justement le miracle des sons. Et le miracle est son ascension vers le rêve. Je me suis égarée en la vaste musique, chantera-t-elle, et ses rythmes se rapprocheront de ceux de la nature, de ceux que rien n'égale et qui ne s'imitent point. Certes, René Vivien aima aussi la musique des maîtres, mais ceux qu'elle admira furent très peu nombreux, et elle aura pour le piano, même, depuis son enfance, une insurmontable horreur. Elle avait, avenue Dubois, une petite pièce qu'elle appelait la chambre des musiques, et qui était rempli d'instruments anciens pour la plupart. Un jour, Charles Brun lui offrit une flûte à sept trous qu'il avait trouvée dans un village des Pyrénées. Cela rappelait à René la flûte des pâtres antiques, et elle ne sut comment remercier assez chaleureusement celui qui lui donnait une telle joie. Dans toute chose, René Vivien recherchait l'accord des sons les plus purs. Tout bruit discordant la choquait. Et c'est pourquoi elle se retira de la vie qui sonne faux. C'est parce qu'elle fut une grande amoureuse de l'harmonie qu'elle aima tant le silence, et c'est pour cela aussi qu'elle aima tant chanter. René Vivien a écrit des vers comme l'on pleure. Elle a chanté pour calmer sa douleur, et n'y est point parvenue. Le calme n'a été qu'apparent, l'oubli fugitif, le temps de créer un poème. Et du jour où elle commença à écrire, sa verve fut intarissable. Je me mis à chanter sans témoin pour la joie de chanter. Ailleurs, elle dira en parlant de ses vers, nul ne les lira jamais. Certes, elle se trompait, mais la foule lui importait peu. Malgré son désir de cacher son âme, elle l'a montrée tout entière. Nul poète ne sait plus et mieux exprimer que René Vivien, et c'est surtout ce qu'elle veut cacher qu'elle laisse le mieux voir. Elle n'est pas seulement un peintre d'âme, elle est aussi un peintre de la nature, et sa peinture est une merveille de réalisme. Les tableaux qu'elle nous montre, les contrées qu'elle évoque, auraient suffi à faire d'elle un grand poète. Et cependant, René Vivien ne copie pas, elle crée, et sa création est rigoureusement exacte, semblable à la réalité, et d'une pureté de forme remarquable. Ces images, toujours nouvelles, sont d'une délicatesse infinie et d'une vérité incontestable. Ses vers sont passionnés, mais la passion est condensée en un seul mot. Cette sobriété de la phrase est douce, harmonieuse, tantôt caressante, tantôt emplie de violence.
Les rythmes, chez René Vivien, sont des évocations. Très parnassienne, elle ne veut se permettre aucune licence. Elle rêve de gloire et a horreur des éloges. Elle a peur du ridicule et réalise des chefs-d'œuvre. Nous passerons ensuite, je pense, je regarde le temps. Ah oui, 5 minutes, on a encore un petit temps. Donc, Mytilène. Renée Vivien n'est pas moderne, elle n'est pas d'ici. Elle est parmi nous un reflet du passé. Son âme, malgré ses efforts pour s'assimiler à notre vie actuelle, demeure dans l'autrefois. Aussi, quelle tristesse, quelle angoisse. C'est la détresse de l'exilé qu'elle éprouvera toute sa vie. Ce que notre existence voudra lui imposer, elle le refusera par mépris ou par haine. Et lorsqu'elle sera obligée d'en accepter les nécessités, elle souffrira, gênée de n'être pas dans son milieu propre. Alors elle se réfugiera dans le rêve ou le souvenir, l'un et l'autre. René Vivien est semblable à quelqu'un qui, parti pour un long voyage, revient très tard, alors qu'on ne l'attendait plus, et qui retrouve tout changé. Ce qu'il aimait a disparu, remplacé par des choses étrangères, inaptes à lui donner les joies d'autrefois. Aussi, il les déteste et se réfugie dans le passé, vivant désormais avec ses regrets. Renée Vivien nous dit d'elle-même qu'elle revient chercher l'illusion des choses d'autrefois, et ses regrets se traduisent par de beaux chants. Si l'on demandait à quelqu'un ignorant l'ascendance de Renée Vivien, quelle est la patrie de la poétesse? Nul doute qu'il ne répondit, après avoir lu ses vers, Mytilène. En effet, nous avons tous une patrie d'adoption, celle que nous chantons et vers laquelle nous allons, poussés par d'invisibles forces. Renée Vivien, comme Psapha, était de Mytilène, l'île délicieuse, où les vierges s'aimaient, où, par les soirs tièdes et embaumés, elles allaient, à pas lents et les mains enlacées, en chantant les divines strophes païennes, douceur de mes chants, allons vers Mytilène.